quatrième millénaire avant Jésus-Christ. Tout commence en Mésopotamie, en Égypte. Les premiers états s'avancent, les villes grandissent, les rois règnent en leur nom. Au nom des dieux, ils dirigent toute la nation. Les cités, c'est à la gâche et bien d'autres encore. Les temples, les palais, les pyramides, et qu'ils adorent. Naissent les premiers états, naissent les premiers mots. L'écriture apparaît comme un souffle nouveau. Cunéiforme ou hiéroglyphe, sur l'argile ou le papyrus. Les scribes écrivent l'histoire, rien ne se perd, tout se plus. L'écriture commence par des dessins d'objets, des pictogrammes gravés pour compter ou commercer. Puis en Mésopotamie, les clous prennent le relais. Cunéiforme est né sur les tablettes d'argile, ils sont tout consignés. En Égypte, les hiéroglyphes sont des mots sacrés. Gardien du savoir, les premiers lettrés. Naissent les premiers états, naissent les premiers mots. L'écriture apparaît comme un souffle nouveau. Cunéiforme ou hiéroglyphe, sur l'argile ou le papyrus. Les scribes écrivent l'histoire, rien ne se perd, tout se plus. Unis par la foi, les dieux dans chaque cité. Ziggourats et temples pour les honorer. Les Égyptiens vénèrent Ra et Horus le puissant. Osiris, c'est la vie après la mort en leur sein. Pharaon est un dieu, un roi sous le soleil, enterré dans une pyramide, une tombe éternelle. Les corps transformés en momies pour l'immortalité. Les peuples pris sous les étoiles sacrées. Naissent les premiers états, naissent les premiers mots. L'écriture apparaît comme un souffle nouveau. Cunéiforme ou hiéroglyphe, sur l'argile ou le papyrus. Les scribes écrivent l'histoire, rien ne se perd, tout se plus. L'écriture commence par des dessins d'objets, des pictogrammes gravés pour compter ou commercer. Puis en Mésopotamie, les clous prennent le relais cunéiforme uni. Sur les tablettes d'argile, ils sont tout consignés. En Égypte, les hiéroglyphes sont des mots sacrés. Tout se plus. Scribes, gardiens du savoir.